happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. All of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry. You haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me... Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen, I've heard, crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. Ces observations d'OVNI n'ont pas seulement lieu aux États-Unis. Certains dossiers, y compris en France, continuent de bousculer les certitudes des esprits les plus rationnels. Et nous poussent à nous poser sérieusement la question : sommes-nous visités par une intelligence non humaine ? Créé en 2013, Sigma 2 est constitué de pilotes de chasse, d'ingénieurs, de militaires et même d'astronautes, dont le français Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon, lui, est l'ancien directeur du site de Kourou en Guyane, où sont lancées les fameuses fusées Ariane. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques, par exemple, qui disent oh, « bon, tout ça c'est des bêtises ». Non, si on fait des observations qui sont avérées avec des gens qui ont l'habitude d'observer, comme les pilotes, par exemple, de chasse, qui voient des choses et ce n'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont vu, si on ne comprend pas, on range l'information sur une étagère en attendant d'avoir une compréhension scientifique un peu meilleure de certains phénomènes physiques, en attendant de pouvoir travailler correctement sur le sujet. Mais on ne dit pas c'est des bêtises. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Sigma 2 travaille en étroite collaboration avec le très officiel Centre National des Études Spatiales Français, le CNES, et plus précisément l'une de ses branches, le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Depuis plus de 40 ans, il tente d'élucider l'origine de certains ovnis. Le GEPAN est à la charge de collecter, d'analyser et d'informer par rapport à des observations qui ont été faites par des témoins sur le sol français. Le GEPAN n'est pas un service d'alerte, n'est pas un service de recherche, n'est pas un service de surveillance de l'espace, mais bien un service d'analyse des témoignages à partir de témoignages humains, plus des photos qui accompagnent, des croquis et toute information que peut nous amener le témoin. Notre rôle au niveau technique, c'est de faire une analyse par rapport à des phénomènes connus. On cherche un rapprochement entre l'observation, qui est empreinte d'émotion, qui est empreinte d'étrangeté. Oh ! Oh ! Mais du coup, elle ne hurle pas comme ça ! Oh ! Oh, maman ! Mais c'est quoi? Pourquoi tu... Mais c'est extraordinaire! Mais arrête de hurler comme ça, enfin! C'est des étoiles! Mais non, c'est fou. Pas des étoiles! On n'a jamais vu ça! Je vais te rappeler! Mais il faut surtout appeler, il faut appeler je sais pas quoi, là! C'est le rôle, donc, du GEPAN, c'est d'arriver à identifier des phénomènes connus qui peuvent correspondre, ou probables, quand on n'est pas totalement sûr, quand on n'a pas la preuve, ou, dans certains cas, qu'on n'arrive pas à exploiter parce que les données ne sont pas assez complètes. Et sinon, avec des données complètes ou une étrangeté, mais qu'on n'a pas expliqué, on reste sur des cas inexpliqués. C'est d'ailleurs l'un de ces événements en France, très proche des cas révélés par l'US Navy, qui est à l'origine de la création du GEPAN. Un ancien directeur du groupe, Jean-Jacques Velasco, qui fut en poste pendant 21 ans, aujourd'hui expert indépendant, se souvient d'ailleurs qu'une affaire non élucidée est à l'origine de la création de l'organisme. En 1951, un cas a sollicité en fait l'intervention de l'armée de l'air. Des pilotes qui étaient en patrouille ont observé au-dessus de la région d'Orange un objet qui se déplaçait à une vitesse qui correspondait à la vitesse de l'avion. Quand ils ont voulu le rejoindre, pour faire l'interception, l'objet en fait a calqué sa vitesse sur celle des avions et à un moment donné il a accéléré de façon considérable.
À partir de ce moment-là, un rapport a été fait à l'état-major de l'armée de l'air, c'est remonté même jusqu'au ministre. Et on a commencé à prendre en compte très au sérieux ces observations. Et là, des recommandations étaient faites pour créer en France un organisme qui permettait de collecter et d'analyser ces données. Et c'est ainsi que Claude Poher, qui était un ufologue, mais en même temps astronome, et qui travaillait au CNES, a été chargé de créer le GEPAN. Un certain nombre de cas montrent à l'évidence qu'il y a une interaction vis-à-vis notamment des avions. Et ça, c'est tout à fait démontré. Quand vous prenez le nombre de cas aéronautiques à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés, vous êtes sur un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de zéro jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km/h enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, avoir des trajectoires à la verticale puis brutalement partir à l'horizontale. Périodiquement, hein, le ministère de l'air, le Pentagone américain et les forces armées américaines s'intéressent aux objets non identifiés parce que régulièrement il y a des alertes qui les font se poser des questions. Et pour les militaires, c'est très inquiétant parce que lorsque vous êtes militaire, vous avez besoin de savoir ce que vous avez en face. Alain Juillet est l'ancien directeur des renseignements des services secrets français, la DGSE. Donc si vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, évidemment il est logique qu'on essaie de comprendre, donc de lancer des commissions d'enquête et d'essayer de savoir ce qui a pu se passer dans les cas qui ont été observés. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens ont pensé, les Américains pensaient que les Russes étaient derrière les objets volants non identifiés en disant « Eh bien, c'est les Russes ont trouvé de nouvelles technologies et les utilisent pour nous espionner. » Si c'était un pays, un des pays qu'on cite, les grands pays, si vous voulez, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie ou la Chine, depuis le temps qu'il y a eu des incidents, on aurait eu une fuite quelque part qui aurait dit « oui, ça correspond à ça ». Or, il n'y a eu absolument aucune information qui est sortie là-dessus, confirmant ou infirmant d'ailleurs que c'était des Russes, des Américains ou des Chinois. Pour moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est autre chose. Des officiels, militaires ou politiques font des apparitions régulières dans les médias. Opération de communication, ça c'est indéniable. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui expliquent effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Hein. Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'un jour, on leur dise, ben oui, ça existe, et voilà comment c'est. On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise, ben écoutez, maintenant, on est sûr de nous, on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes. Venez-moi, où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font, autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau... Ça va faire réfléchir beaucoup de monde, parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement... Il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on n'en sait rien, et de toute manière, on ne maîtrise rien. Alors donc là, c'est... Donc ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, et surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans une situation où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. Parmi les cas qui ont été examinés au GEPAN, il y a le cas de Valensole. La rencontre rapprochée de Valensole est un cas extraordinaire, était un cas mondialement connu. L'histoire se passe le 1er juillet 1965. L'agriculteur Maurice Mass est dans son champ ce matin-là, vers 5h30. Il commence à travailler. Il aperçoit des gens qui sont dans son champ de lavande et il pense qu'ils sont venus avec une voiture. À l'époque, c'était une Dauphine, je crois, qui sont en train de faire fouiller dans ces lavandes. Et en s'en rapprochant, il se rendra compte que c'est pas du tout une voiture, que c'est un objet
assez étonnant, mais surtout, il y a deux entités de petite taille qui sont à côté du vaisseau et qui semblent faire des prélèvements de lavande. Et là, à sa grande surprise, il constate qu'il a affaire à des petits êtres qui se retournent, et l'un d'entre eux va sortir de sa poche une espèce de tube qui va le paralyser. La paralysie du témoin, c'est quelque chose de tout à fait curieux, puisqu'en fait, il avait toute sa conscience, mais il était paralysé sur le plan musculaire. Et le vaisseau va partir immédiatement. Alors il a dit, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus faire un mouvement, mais j'étais bien. J'étais bien, mais je ne pouvais plus ni avancer, ni reculer, j'entendais tout, je voyais tout, mais je ne pouvais plus bouger. Alors on peut imaginer peut-être qu'elles l'ont immobilisé comme on immobiliserait une bête sauvage, sans vouloir de faire de mal, si jamais elle se rapprochait un peu plus de nous. Il a dit, et ça, pour moi, c'est une phrase que j'oublierai jamais, « Dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Dans leurs yeux, je lisais de la bonté. » Et bien ça, pour moi, ça résume toute l'histoire. On n'invente pas quelque chose comme ça. Il rentre chez lui, et là, il va tomber dans un profond sommeil qui va durer plusieurs jours. Il dormait sans arrêt, il dormait sans arrêt. Il fallait que sa femme le réveille. Il fallait que son épouse dise « Maurice, réveille-toi, ça fait 10-12 heures que tu dors ». Alors ça ne s'invente pas non plus. Il ne pouvait plus garder une montre, ou elle avançait, ou elle reculait, ou voilà. Une montre, il ne pouvait plus s'en servir, voilà. Ça ne lui servait plus parce que la montre n'était jamais à l'heure. Les gendarmes vont se rendre sur place, ils vont constater qu'il y a une trace au sol. Il y a une trace qui est tout à fait particulière et qui est étonnante. Cette trace, elle consiste en un cylindre qui est creusé dans le sol, avec trois trous obliques qui partent au fond. C'est lisse, comme s'il y avait un outil qui avait forgé ce sol. Et puis, il y a des traces de plots qui, visiblement, est en appui sur le sol. Il y avait un trou, donc, et dans lequel j'ai envoyé ma main sur à peu près une hauteur de 50 cm, et qu'on pouvait dire qu'il y avait, comme s'il y avait des griffes qui s'étaient comme une arrimage. C'est bien ça, hein, dire bon là. Et là tu vois ici, là, ouais. De ce côté, il y avait des amandiers là. Ouais, ouais. Et derrière les amandiers, je me souviens bien, il y avait des levignes. Ouais, ouais. Il y avait des amandiers à l'époque qui étaient plantés en rang d'oignon. Et selon la trajectoire d'envol de ce qu'on pouvait appeler l'engin, la partie gauche des amandiers était jaunie comme par une forte chaleur. Alors c'était surprenant parce que d'un côté de l'amandier c'était vert et de l'autre côté c'était jaune. Il faut savoir que pendant 10 ans, il n'a plus rien poussé. Il a replanté de l'avande, il a replanté du blé. Pendant 10 ans, sur ce petit morceau, c'est pas parce que c'était pas quelque chose d'immense, hein. Donc il n'a plus rien poussé. Ça lui est tombé dessus. Il n'aurait jamais rien dit à son meilleur ami. Peut-être que l'histoire se serait arrêtée là, quoi. Il aurait emporté avec lui. C'est la presse qui est arrivée, puis la presse locale, puis la presse régionale, puis nationale et internationale. Et à partir de ce moment-là, le monde entier est arrivé. Le petit village de Valensole est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au café des sports de ce charmant petit village, il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi messieurs, le principal témoin de l'affaire, monsieur Mas, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Allez, ouais, monsieur Masson. Le patron de l'établissement, monsieur Masson. Allez. C'est aujourd'hui, monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de monsieur Mas, qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Mas est venu, c'était un ami. Et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et oui. il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou... Et vous avez pu garder le secret combien de temps? Jusqu'au lendemain. Et le lendemain? Le matin, tout le monde, enfin, on a un peu parlé, et tout le monde prend ça, est venu. Et... Tous les journaux de la région, tous les sont, journaux de la région sont venus, voilà. L'engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps non, en temps pas, ou... Non, non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Hein. Cette affaire, elle a suscité beaucoup de réactions. Il y a même, par exemple, le professeur Yves Rocard, qui était quand même académicien,
et qui s'en est occupé. Il y a beaucoup de gens qui ont, à l'époque, qui ont parlé de cette enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que au GEPAN, on avait les trois rapports de gendarmerie. Le GEPAN classe aussitôt ce dossier stupéfiant parmi les cas les plus inexplicables qui lui ont été soumis. Même le père de la bombe atomique française, Yves Rocard, se penche longuement sur l'affaire. Et justement, le nucléaire semblerait avoir un lien très étroit avec le phénomène. Les tests nucléaires, il faut le savoir, c'est quelque chose quand même qui est effrayant, parce que 540 bombes nucléaires ou thermonucléaires qui ont été balancées dans l'atmosphère, c'est énorme. Et ça correspond, dans la période entre 1960 et 1961, à une explosion tous les trois jours, faite par les Américains ou les Soviétiques. Dès 1949, il y a déjà des indices selon lesquels il se passait des choses tout à fait surprenantes en termes de localisation de ces phénomènes. Les sites stratégiques nucléaires en particulier étaient survolés. Lors de deux commissions secrètes qui ensuite ont été divulguées au public, Edward Teller, donc, était le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, participait et qu'il était père de la bombe atomique. Il expliquait qu'il y avait des survols des sites nucléaires. En particulier, Oak Ridge, où on fabriquait le plutonium, les bases de lancement, White Sands, Sandia, Roswell, où il y avait les bombardiers atomiques qui partaient. Enfin bref, tout un ensemble d'éléments qui montraient qu'il y avait des survols. Quand vous superposez les lancements, enfin les tests dans l'atmosphère, avec les cas d'OVNI, vous apercevez que vous avez une similitude au niveau des courbes, avec un décalage de 2 ans. C'est très curieux. Alors je ne peux pas l'expliquer, hein, simplement je constate que les deux courbes ont la même forme et qu'elles correspondent en fait à chaque fois à des tests nucléaires. Certains vont même beaucoup plus loin et n'hésitent pas à parler officiellement d'extraterrestres en mission commandée. Paul Hélière a été pendant 3 ans le ministre de la Défense du Canada. Lui, il dit clairement, les extraterrestres existent, ils sont là, ils sont venus nous empêcher, etc. Moi, j'en suis pas là. Je dis simplement qu'il y a des phénomènes, des objets qui sont contrôlés et qui nous mettent en face d'un certain nombre de choses. Est-ce que c'est un signal? Je dirais simplement sur le plan scientifique, pour que les choses soient très claires. Nous, on est capable aujourd'hui, avec des satellites, de détecter des explosions de supernova qui se trouvent à des dizaines d'années-lumière. Pourquoi une civilisation qui serait plus en avance que nous n'aurait pas la capacité de détecter des explosions nucléaires qui se produisent sur Terre? Parce que l'explosion nucléaire, elle est dans le spectre électromagnétique. Elle comporte tous les éléments du spectre électromagnétique. Ça va dans tout le domaine du spectre des micro-ondes, en passant par les ultraviolets et les infrarouges. Donc, par conséquent, ce signal qui est un signal artificiel peut être détecté de très loin. Et est-ce que ce serait en relation, effectivement, avec le fait qu'il y a eu énormément d'observations qui ont été faites au-dessus des sites nucléaires? La question demeure. En 2012, en France, le journaliste David Gallet filme des parapentistes à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. Il capte sur sa caméra un étrange objet lumineux pendant quelques secondes. Cet objet semblerait avoir été filmé le même jour en Suisse et en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'essaye de suivre le phénomène qui va parcourir l'intégralité de l'horizon, je dirais en 20 secondes à peu de choses près. Donc qui va quand même relativement vite, 5-6 fois plus vite qu'un avion de ligne par exemple. Et puis je le suis tant bien que mal parce que ça va passer devant le soleil, c'est pas si simple que ça, parce que c'est une lumière qui passe devant le soleil, on voit plus rien, mais je le récupère. Et à la fin, le phénomène semble, en tout cas moi ce que j'ai dans l'objectif, disparaître, s'évaporer. Et puis, je suis avec quelqu'un qui est un ingénieur du son, qui est à côté de moi et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il se demandait ce que je faisais avec la caméra. C'est-à-dire, je ne suivais plus du tout le paramoteur, mais je balayais l'horizon avec la caméra et je lui dis, je crois que j'ai filmé un ovni. Et puis, on rigole, quoi. Mais on rigole pas longtemps parce qu'après, on va regarder les images sur le petit écran de contrôle de la caméra. Et puis surtout, ensuite, dans le monde montage. Tout
Toujours en France, Michael Vaillant, expert data consultant auprès du GEPAN depuis plus de 12 ans, fait clairement le lien entre apparition d'OVNI et survol d'installations civiles et militaires en France dans une étude qu'il a publiée sous l'égide de l'Université de Toulouse. Quand on a travaillé avec le laboratoire de mathématiques de Toulouse, on a fait une étude mathématique en 2015 qui a permis de montrer qu'il y avait une significativité statistique importante entre la répartition des phénomènes inexpliqués et les centrales nucléaires, mais aussi avec les sites pollués. Alors on peut s'interroger effectivement sur la nature de l'intelligence qui est responsable de ces observations, s'il y a une intelligence, parce que ça peut être encore une fois des phénomènes naturels, hein. Et s'il y a une intelligence, elle peut être peut-être endogène, peut-être exogène, toutes les pistes sont ouvertes évidemment. Quand on dit endogène, c'est au sens, ça peut être terrestre, ça peut être une surveillance par des pays étrangers qui s'intéressent par exemple à l'état de nos technologies, de nos sites nucléaires, et peut-être exotique, peut-être une surveillance. On peut entendre par exotique des intelligences que l'on n'a pas identifiées mais qui peuvent être sur Terre, des groupes. On peut imaginer effectivement des extraterrestres si on voulait. C'est probablement l'hypothèse la plus extrême à ce stade. Et on peut s'interroger dans ce cas-là aussi pourquoi il y aurait des intelligences extraterrestres qui viendraient observer comme ça des sites nucléaires ou des sites pollués. A priori, ce serait assez étrange et savoureux. Que ce soit pour surveiller les humains qui jouent avec le feu nucléaire ou pour toute autre raison, ils sont désormais de plus en plus nombreux. Politique, ingénieur, chercheur, a osé parler clairement d'une intelligence non humaine. Look, nothing in the sky at all. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. On a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. Ceux qu'ils prennent le plus au sérieux aujourd'hui, ce sont les scientifiques, parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose. D'où viennent-ils, hein, et comment fonctionnent-ils? C'est ça qui est intéressant. C'est pas imaginable autrement que par des technologies qui sont bien plus en avance que la nôtre. Donc on n'est pas en capacité de le faire. Ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Et si ça vient d'ailleurs, ça vient de l'espace, obligatoirement. Une intelligence qui viendrait de l'espace. Ce qui faisait sourire la communauté scientifique pendant de longues années devient aujourd'hui un vrai sujet. Et pour cause, en 25 ans seulement, les astronomes ont découvert l'existence de 4000 exoplanètes. Des planètes pour certaines semblables à la Terre, qui pourraient clairement abriter des formes de vie intelligentes. Et pourquoi pas une civilisation plus avancée que la nôtre. Parmi les sujets les plus sensibles, l'antigravité, ou la capacité de s'affranchir des lois de la physique et notamment de la pesanteur. Faire voler un objet sans résistance physique ou sans être attiré au sol. C'est une quasi-certitude que dans tous les cas où on a vu quelque chose de bizarre qui a été parfaitement identifié, on a aussi bien vu qu'il y avait un phénomène, c'était en effet face à un engin qui ne fonctionnait pas avec la gravitation classique, on est dans l'antigravitation. Ça, je crois que c'est une quasi-certitude dans tous les cas de figure. Nous pourrions apprendre beaucoup d'une telle rencontre. Nous pourrions aussi développer une certaine modestie. Parce que pour le moment, nous pensons que nous sommes les plus intelligents. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, nous pensions que nous étions au centre de l'univers physique, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et nous avons fini par réaliser que nous ne sommes pas le centre de l'univers physique. La Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. Et la Voie lactée se déplace d'une façon aléatoire dans l'univers qui est plein de galaxies similaires. Donc nous n'avons pas de statut spécial dans l'univers. Mais beaucoup de scientifiques préfèrent encore croire que nous sommes au centre de l'univers biologique, de l'univers vivant, que la vie est unique sur Terre, et en particulier, la vie intelligente est unique sur Terre. Et je pense que la façon dont nous pouvons être plus modestes, c'est en rassemblant des preuves de ce qui se passe là-haut. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Du visible à l'invisible. L'univers est encore pétri de mystères. On est là sur un domaine qui est très très compliqué, qui est rejeté par, bien sûr, par les gens, les apôtres du progrès
je dirais, mathématique et cartésien. Mais est-ce qu'on n'aura pas des surprises dans le futur? Ça, c'est autre chose. Si les autorités américaines ont encore des choses à révéler, bah, qu'elles le fassent, parce que je pense que les gens sont peut-être prêts à recevoir cette information. Il faut dire que ça apporterait des bouleversements au niveau de nos sociétés très importants. Ça remettrait en cause un certain nombre de choses sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan même de la science. On aura, même très certainement avant, découvert la vie dans le système solaire. Pas intelligente, mais au moins la vie. Et ça, ça permet, ne serait-ce que ça, de poser les briques, en tout cas les fondations d'un édifice intellectuel qui permet de s'interroger plus loin. En tout cas pour le scientifique, qui permet d'oser penser qu'il y a peut-être, au-delà de la vie, une vie intelligente. Et donc ça fait progresser aussi les mentalités. Ces sujets vont devenir de plus en plus mainstream, c'est ça que ça veut dire.